Merci de nous rejoindre sur Gabon 24. Comme annoncé, cette semaine, nous parlons de la crise migratoire avec ces drames qui se suivent et se ressemblent. En Méditerranée, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il ne soit rapporté un cas de disparition. Pas plus tard qu'il y a encore le 2 novembre dernier, au moins 110 personnes sont mortes ou portées disparues selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Leur embarcation, un canot pneumatique à moitié dégonflé, transportait environ 140 personnes avant son naufrage au large des côtes libyennes. Seul 29 migrants ont pu être sauvés. Les secouristes disent avoir retrouvé une dizaine de cadavres à bord. Et ce n'est pas tout, car s'appuyant sur le récit des deux rescapés, l'OHCR évoque la possible disparition de près de 125 personnes dans un naufrage qui pourrait avoir eu lieu le même jour en Méditerranée. Ce qui porterait aujourd'hui à plus de 230 personnes, le nombre de personnes ayant perdu donc la vie en tentant donc de rallier l'Europe à partir de la mer. Nous avons quelques invités sur ce plateau et d'autres nous attendent au téléphone. Nous avons Alain-Richard Zabazinga, qui est de Gabon Télévision, journaliste. Bonjour. Bonjour Ismaël. Très présent sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook. Exactement. Nous avons également avec nous Dr Christian Waliwali, enseignant, maître assistant CAMES en géographie de la population. Il est coproducteur du dictionnaire des migrations internationales, approche géohistorique paru chez Armand Collin en 2015. Je suppose que c'est en France. Oui, c'est en France. Bonjour Ismaël. Bonjour. C'était sous la direction de Gilda Simon. Alors, vous êtes la personne indiquée pour parler donc des migrations internationales. Alors, on en parle tous les jours. Alain-Richard Zabazinga, le phénomène ne fait que s'amplifier. Est-ce que la construction médiatique telle qu'elle est pratiquée par exemple par les médias africains autour de ce phénomène ne participe pas aujourd'hui à l'amplifier? Parce qu'on a tendance à présenter les migrants comme des gens extraordinaires qui bravent la mer pour aller de l'autre côté. Oui, on serait peut-être tenté de le penser. Je ne voudrais pas jeter la pierre sur les confrères. Il faut parler du phénomène, il faut qu'on en parle. Tout simplement qu'il y a comme deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit des migrants africains ou qui partent de la Libye, des côtes libyennes pour regagner l'Europe, on a tendance à, les médias occidentaux ont tendance à présenter le phénomène comme quelque chose qu'il faut rejeter, quelque chose qu'il faut condamner. Et lorsque le même phénomène se produit aux frontières de l'Europe, notamment les migrations qui viennent, les migrations issues de l'Europe de l'Est ou même du Moyen-Orient, du Proche-Orient, autour de la Syrie précisément, on a comme l'impression que bon, nos confrères occidentaux veulent on en parle de façon laconique. Des aménagements. Vous avez l'impression qu'on en parle de façon laconique, sans non, trop de détails. Non, il y a certainement des détails, mais qu'on voudrait peut-être réserver un accueil particulier à ces migrants de ces origines, plutôt que, et comparativement aux migrants africains, qu'on veut de reconduire aux frontières aussitôt. Voilà, alors, qui sont ces migrants? On aura le temps de revenir un peu sur le traitement de cette information par les journalistes africains. Qui sont ces migrants, docteur Wali? Quelles sont les raisons de ces départs en vague? Alors, pour répondre de manière simple, aujourd'hui, il n'y a plus une catégorie personne procède au mouvement migratoire. En fait, dans ce groupe, vous avez aussi bien des personnes issues de familles plutôt modestes, c'est-à-dire, dites vulgairement, des gens pauvres. Mais vous avez en même temps, dans ces migrations, des personnes culturellement bien construites, avec des classes sociales très élevées, et qui ont des phénomènes diversifiés, ou du moins des raisons qui sont diversifiées, qui vont aussi bien des raisons de migration sous contrainte, c'est-à-dire liée à toutes les crises politico-militaires qui existent aussi bien en Afrique que dans la zone du Moyen-Orient, et en Asie également. Vous avez des situations dites de migration économique. Mais votre première question m'intéresse. Absolument. Sur le traitement qui est fait par l'ensemble des médias, notamment occidentaux, sur le phénomène des migrations internationales. Alors, la première chose qu'il faut remettre en perspective, c'est le fait qu'il ne faut jamais ignorer qu'un phénomène, un traitement d'un phénomène est toujours lié à une orientation idéologique particulière. Absolument. Il faut pas, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours où tout est beau, tout est gentil et que tout fonctionne normalement. Absolument. Ça veut dire que le choix qui est opéré, vous êtes dans des salles de rédaction, il y a des lignes directives qui sont données. Les lignes éditoriales. Les lignes éditoriales, merci,
nécessairement, le choix qui est opéré du traitement de cette information est lié à la ligne éditoriale de chaque média. Ça signifie donc que si on parle énormément aujourd'hui des migrations venues du Moyen-Orient et de l'Asie, et qu'on en parle moins lorsque ça vient du continent africain, ça veut donc dire qu'il faut interroger nécessairement le poids de l'Afrique sur, par rapport à l'influence que l'Afrique peut avoir sur les pays occidentaux. Ça, il ne faut pas écarter cela. La deuxième chose... Et cela impacte aussi sur les médias, parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes moyens pour investiguer, pour réaliser des grands reportages. Exactement. Et du coup, nous devenons des consommateurs inconscients. Oui, parce que je suis un peu les chaînes étrangères. Vous allez vous rendre compte que nos confrères suivent le phénomène de migration depuis son début. Le phénomène, il retrace depuis le début jusqu'à la fin, lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient, du Proche-Orient ou de l'Asie, ou même de l'Europe de l'Est. Mais lorsqu'il s'agit des Africains, on se contente d'attendre qu'un bateau chavire pour que tout de suite on dépêche un hélicoptère au bord de la Méditerranée, filmer ceux qui sont noyés. Oui, docteur, parlait tout à l'heure de questions idéologiques qui pourraient guider le traitement de l'information et même parfois le fait qu'on s'attarde beaucoup plus sur certaines situations au Moyen-Orient. Vous avez parlé par exemple de ce qui se passe en Syrie. Mais alors, derrière cette idéologie, quelle est la volonté réelle qui peut se cacher pour ce qui concerne le continent? Alors, est-ce qu'il y a une volonté de négativisme? Non, je ne le dirai pas comme cela. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut rechercher les héros modernes, les temps modernes. Et donc, le fait, par exemple, de parler des migrants qui paraissent comme des gens très puissants, qui arrivent à braver les mers, à braver les océans pour aller vers d'autres horizons, ils sont présentés nécessairement comme les héros des temps modernes. Tiens. Pour le continent africain, je voudrais quand même mettre un bémol à ce que vous dites. Il est vrai que les médias africains n'ont pas les mêmes moyens que ceux de leurs confrères occidentaux. Mais n'empêche quand même qu'il y a, un discours qu'on peut remettre en perspective. Sur le continent africain, on ne parle des migrations africaines que lorsqu'elles concernent le continent africain vers l'Europe particulièrement. Très bien. Mais personne ne dit jamais suffisamment haut que les migrations africaines sont d'abord et essentiellement intra-africaines. C'est-à-dire que le Gabonais qui part du Gabon pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Ou vice-versa. Ou vice-versa. On connaît les trois, notamment les trois pays d'accueil, essentiellement d'accueil des migrants en Afrique. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, quoique la Côte d'Ivoire, du fait de la guerre qu'elle a connue dans la décennie 2000, a connu le phénomène en réduction, mais n'empêche que ces pays restent quand même les réservoirs d'accueil des populations africaines. Donc, il y a déjà à ce niveau, pour les médias africains, un travail à faire. C'est de rappeler souvent aux Africains et donc de mettre à la face de la communauté internationale le fait que les migrations africaines sont d'abord des migrations intra-africaines. Et que le peu de migrants qui vont en Europe ne constitue pas la bagatelle du phénomène global des migrations africaines. Vous parlez de noircir le continent. Oui, mais parce qu'il y a deux raisons qui sont toujours évoquées. Lorsque les Africains vont en Europe ou dans d'autres pays, on évoque toujours deux problèmes. C'est la misère et les guerres. Bien. Je veux quand même rappeler... Ces problèmes ne sont pas créés. Non. Ils sont quand même réels. Je n'en disconviens pas. N'empêche que tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne. C'est-à-dire que tous ceux qui partent des pays africains n'y vont pas parce qu'ils sont pauvres ou bien parce qu'il y a des guerres chez eux. Première chose. Je voulais citer tout à l'heure quand même un grand historien africain qui est Joseph Kizerbo qui nous a enseigné que partir voir ailleurs est une des lois des Africains. Ça signifie que nous, Africains, nous avons quand même cette curiosité qui est en nous. Peut-être pas dans les pays de la forêt, mais là aussi, il faut quand même se souvenir que nos États sont essentiellement des États de migration, ont été construits
Et composé, le peuplement des États africains est un peuplement lié à la migration. Donc, c'est très important quand même de le souligner. Maintenant, évidemment que les conditions politiques, les conditions économiques et les conditions sociales dans lesquelles vivent les pays, les populations africaines favorisent nécessairement le phénomène migratoire. On ne peut pas se fermer les yeux pour dire que ce n'est pas vrai. Et ça signifie donc qu'il faut, dans nos États, réfléchir à des systèmes de stabilité politique. On va y arriver, oui. Docteur. Est-ce que cela vous semble assez convaincant lorsque vous entendez certains Africains dire « je m'en vais voir ailleurs parce que chez moi ça ne va pas » Vous savez... Raison de bonne gouvernance souvent évoquée. C'est ça que le docteur... Déficit de liberté publique. C'est ça que le docteur voulait aborder, je crois. Bon... Je suis un peu mal placé pour répondre parce que ça risque d'être une réponse personnelle, intuitive, personnelle. Donc, mais je dis quand même que le Sénégalais qui se retrouve dans une barque à traverser la Méditerranée pour se retrouver de l'autre côté de l'Europe, il va peut-être évoquer l'instabilité politique, mais beaucoup vont dire que le Sénégal, c'est un pays stable. Par contre, le Libyen qui va tenter de traverser, on va dire que la Libye est déstabilisée. Donc, c'est peut-être un peu... Les critères d'appréciation, de mon point de vue, ne sont peut-être pas les mêmes. Mais en même temps, pour certains cas, on pourrait peut-être justifier le déplacement. Mais il ne faut pas perdre de vue que la recherche du mieux-être, la recherche d'un idéal de vie, je crois que c'est ce qui guide vraiment l'homme africain. Je n'en sais rien de ce qui est de d'autres peuples, parce que là, les critères énoncés par le docteur tout à l'heure, mais on les retrouve aussi chez les autres. Les Syriens, qu'est-ce qu'ils font déplacer les Syriens? C'est les guerres. Les Syriens, c'est vrai que c'était un peuple, si on remonte un peu dans l'histoire, on a connu les Syro-Libanais, les peuples commerçants qui se déplaçaient, mais ce n'était pas pour des raisons de guerre. Or, aujourd'hui, ils sont en train de déserter leur territoire. Parce que, tout simplement, il y a des guerres. Est-ce que ces questions de bonne gouvernance, d'absence de bonne gouvernance, de misère, de faim, de tout ce qu'on entend autour du continent, c'est le continent qui m'intéresse, pas pour dire que ce qui se passe ailleurs ne nous intéresse pas, mais on met d'abord l'accent chez nous. Est-ce que ces raisons-là ont résisté à l'épreuve des faits, à l'épreuve du temps? D'abord, j'ai envie de dire que, en fait, l'analyse est biaisée lorsque nous regardons de manière globale. Exact. Elle est biaisée. Tout à l'heure, votre première question de savoir qui part. Le problème, c'est que dans le qui part, même quand on est dans les pays, on ne peut pas globaliser, on ne peut pas généraliser. Très bien. Pour une raison simple, c'est que vous avez aussi bien, je le disais tout à l'heure, aussi bien des intellectuels, des élites, que la basse classe qui s'en va. Celui qui n'a rien, je veux dire, quand je dis il n'a rien, ce n'est pas qu'il ne mange pas, ce n'est pas qu'il ne boit pas chez lui, mais celui qui a l'impression qu'en allant voir ailleurs, il aura un mieux-être, à celui-là, vous ne pouvez pas lui demander de rester. Donc, c'est tout à fait normal qu'il s'en aille. Pour le retenir, il faut que nos États mettent en place une organisation sociale, une organisation économique et une stabilité politique qui soit telle que les gens aient envie de rester. À ce stade du débat, nous allons prendre notre confrère qui se trouve à Cotonou, au Bénin. Il s'agit de Crespin Bossou, il est le directeur de publication du journal L'Informateur. Le Bénin fait partie des pays qui fournissent au reste du monde un grand nombre de départs en cascade. Bonjour Crespin Bossou. Bonjour Ismaël. Mais comment ces aventures à l'issue souvent incertaines s'organisent chez vous? Bon, il faut dire qu'au Bénin, le phénomène de l'immigration n'est pas un phénomène massif, comme dans certains pays africains, comme le Sénégal, le Mali, le Nigeria ou encore la Guinée. Il faut dire qu'au Bénin, il y a principalement une catégorie de personnes candidates à l'immigration. Bon, la première catégorie, on peut dire que c'est celle des jeunes déscolarisés. C'est des jeunes qui ont abandonné assez tôt l'école et qui voient en Europe les droits pour facilement se faire une vie décente. La seconde catégorie, on peut dire,
les diplômés, des gens qui ont une qualification assez pointue et qui estiment que l'environnement sociopolitique ne leur permet pas de faire valoir leurs compétences. Les jeunes bénévoles en général n'ont pas cette vision de croire que l'Europe est la seule, le seul endroit qui pourrait leur permettre de réaliser leurs rêves. Voilà, c'est terrible quand même de s'organiser financièrement lorsqu'on vit déjà dans la précarité. Est-ce qu'il y a des politiques publiques chez vous au Bénin qui limitent ces aventures à l'issue incertaine? Oui, bon, on peut dire que ce qui se fait généralement, c'est le renforcement des mesures pour l'obtention des titres de voyage. Ouais, aujourd'hui, par exemple, le Bénin passé du passeport ordinaire au passeport biométrique. Parce que, vous savez, au Bénin, il y a des réseaux mafieux qui font croire aux jeunes béninois qui peuvent leur proposer des visas, même s'ils n'ont pas les documents réglementaires pour les obtenir. Merci, Crépin Bossou, en direct de Cotonou, au Bénin. Merci, Joël. Alors, docteur Christian Wally, à l'époque, ce phénomène était motivé par la recherche. Par exemple, les emplois saisonniers, les Maliens, les Sénégalais qui se déplaçaient. Est-ce que le but reste encore le même aujourd'hui? Le but, dans son essence, de la recherche du mieux-être reste le même. Mm-hmm. Les formes ont changé, mais mm-hmm. je vais quand même réagir à ce mm-hmm. qu'il dit. Oui. Et qu'il pointe quand même un élément important pour vous expliquer qu'en réalité, la problématique de la migration ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Il relève un élément important. Il dit... Il y a une organisation des réseaux mafieux. Très bien. Pour qui travaille dans la question de migration internationale, on sait tous que cette organisation qui est mise en place pour amener les gens vers l'Occident, notamment vers l'Europe, est liée à ce que les gens gagnent énormément, profitent de la misère des autres pour se faire de l'argent et énormément d'argent. Et cela est valable non seulement... Est-ce qu'on peut attribuer un visage à ces mafieux? Est-ce qu'ils sont tous africains ou ils bénéficient des complicités dans les pays? Non, c'est une, quand on parle de la mafia, c'est nécessairement une organisation. Et s'il y a des gens qui vont toujours en Europe, c'est qu'il y a une organisation qui est intercontinentale. Il y a des Africains, oui, qui sur place organisent tous ces réseaux, mais il y a également leurs partenaires qui sont au niveau de l'Europe. Mmh. Parlons de la jungle de Calais. Il faut pas se leurrer. Qui fait débat. Il ne faut pas croire que tous ces migrants qui arrivent à Calais et qui veulent aller en Grande-Bretagne viennent là par leur propre chef ou qu'ils ont tout le circuit. S'ils parviennent à partir de la Syrie, de l'Afghanistan pour arriver jusqu'au nord de la France, il faut quand même cartographiquement situer ces deux territoires. Ça veut donc dire qu'il y a des gens bien installés, bien organisés au niveau de la France qui organisent ces réseaux mafieux. Il y a bien entendu toutes les communautés, il y a des Occidentaux, des Européens, des Africains qui sont impliqués dans ce réseau de mafia migratoire. Vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez fait des recherches là-dessus. Et ce qui peut être reproché aux médias, c'est le fait de ne pas dénoncer. Oui, dénoncer, mais je crois que c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Mm-hmm. On en parle depuis longtemps. Il faut bien qu'il s'arrête un jour. Est-ce que ça va s'arrêter? Vous savez, je pense que là, on a un phénomène qui se mue en deux formes. Il y a la forme qu'on va dire plus ou moins légale. C'est celui, comme disait le docteur, vous êtes nanti de diplôme, vous êtes un homme instruit, vous arrivez dans votre pays d'origine, mm-hmm. vous ne trouvez pas les conditions de vie qui s'y est à votre niveau d'études et à vos aspirations, ben vous repartez. Et quand vous repartez avec votre famille. Et ça, c'est une migration aussi. Mais ça peut-être, ça, est-ce qu'on va la retenir un jour? Il faut justement qu'il y ait des politiques sociales, des politiques économiques, tout un environnement
pour retenir ces gens. Mmh. Et puis, il y a le fameux réseau mafieux, les fameux réseaux mafieux. Mmh. Est-ce qu'on on va arriver à y mettre fin? La dénonciation par voie de presse est déjà un premier pas. Mais ce n'est pas nouveau. C'est ce que je dis, ce n'est pas nouveau. Ouais. On en parle depuis longtemps, on les dénonce. Mmh. Le problème, c'est que vous demandez qu'on mette un visage sur les réseaux. Ce n'est pas évident. Demander. Je me suis posé la question de savoir si on peut mettre un visage sur les mafieux, les supposés mafieux. Prenons un exemple simple. Mmh. Le Gabon est censé être un pays d'accueil pour certains pays de l'Afrique. Mais on sait les pays de départ, on connaît les pays de départ. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à recevoir des dos mouillés. Mais voilà, justement, nous allons partir tout de suite en direction de l'Allemagne. Mais avant, vous avez cette photo. Le 2 septembre 2015, l'Europe prenait conscience de la gravité de la crise migratoire qu'elle traversait à la suite de la publication dans la presse internationale de la photographie du corps sans vie d'Hélène Kurdi, ce petit Syrien de 3 ans dont le corps charrié par la mer a été retrouvé sur une plage turque au large de Burdum, est mort, noyé alors qu'il fuyait avec ses parents son pays en guerre à bord d'une embarcation de fortune. Et tout de suite, cela nous amène à Bonn en Allemagne, retrouver Eric Topona qui est du service francophone de la radio allemande, la Deutsche Welle. Bonjour Eric. Oui, bonjour Ismaël et bonjour à tous. Donc, face à des flux migratoires jamais vus depuis la Seconde Guerre mondiale, Berlin a pris des dispositions l'année dernière pour accueillir des Syriens. Comment cette décision évolue aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'en 2016, Berlin a décidé d'assouplir un peu, a décidé donc de vouloir faire preuve de moyens d'ouverture vis-à-vis des réfugiés, parce que la chancelière allemande Angela Merkel est un peu en difficulté hein, dans l'opinion allemande. Les Allemands pensent que l'Allemagne a reçu beaucoup plus de réfugiés l'année dernière, en 2015, vous l'avez rappelé. Et donc, du coup, cette année, le pays a moins accueilli de réfugiés. On estime entre 250 000 à 300 réfugiés qui ont été accueillis, hein, ce qui est totalement moindre par rapport au nombre donc, de réfugiés déjà accueillis. Donc cette décision de Berlin d'assouplir l'entrée des migrants est en train de fonctionner. Et il vous souviendra qu'au début du mois d'octobre, la chancelière a reçu deux chefs d'État africains, le président tchadien Idriss Déby, qui était venu à Berlin, et le président nigérian. Et avec ces chefs d'État, elle a évoqué justement les stratégies à mettre en place pour que les migrants puissent être bloqués sur place en Afrique. Donc, c'est dire que l'Allemagne est en train de changer de fusil de pôle pour et d'autres moyens pour ne pas que ce flux de réfugiés puisse avoir des conséquences politiques, économiques et sociales sur le plan national ici en Allemagne. Avant de vous laisser partir, Eric Topona, au total, l'Allemagne a reçu et a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015. J'imagine que cela a dû coûter cher au budget du gouvernement. Quelles sont les dernières mesures aujourd'hui de Berlin face à ce drame migratoire? Pas vraiment corsé, mais là, l'Allemagne est en train de vouloir compter hein, sur les dirigeants africains, sur les dirigeants des pays, par exemple, comme la Syrie, où les Syriens sont en nombre ici. Donc, concernant l'Afrique, l'Allemagne compte plutôt sur les dirigeants africains pour empêcher hein, que les migrants puissent envahir les côtes européennes et justement l'Allemagne. Et donc, il y a des projets qui sont en vue pour aider donc les jeunes, les demandeurs d'asile, hein, ceux qui sont les candidats à l'immigration, de rester sur place. Donc, Berlin est en train d'utiliser des stratégies assez fines hein, pour ne plus accueillir le plus de migrants. Maintenant, ceux qui sont sur place en Allemagne vivent quand même bien. C'est-à-dire, si ces réfugiés ont préféré l'Allemagne, c'est parce que l'Allemagne a une politique migratoire assez développée par rapport aux autres pays européens. Donc, Berlin a décidé de continuer à s'occuper de ces migrants qui sont sur le sol allemand, parce que c'est quand même une main-d'œuvre assez conséquente pour l'Allemagne. Mais dans les années à venir, ça va être difficile d'accueillir d'autres migrants pour les raisons que j'ai évoquées. Merci Eric Topona, direct de Bonn en Allemagne. Merci Ismaël et à bientôt. À bientôt. En retour sur ce plateau, on va terminer cette émission par des propositions en termes de résolution de ce problème. Alors on voit que la mort ne dissuade même plus les clandestins, ils s'en foutent éperdument. Quelle solution efficace? Je ne sais pas. Solution efficace, je ne sais pas, mais
dire quand même deux choses. C'est votre correspondant a parlé, Éric Topona. Éric Topona, justement, de l'externalisation du traitement des problèmes migratoires. Mais il faut que l'Europe se rende compte, et je suis toujours surpris de constater qu'ils ont, depuis quelques années, décidé de cette politique, en fait, qui ne marche pas, c'est de renvoyer vers les pays de départ le traitement de cette problématique migratoire. Mais cela ne marche pas pour une raison simple, c'est qu'il y a d'abord la question des mafias dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi que, en fait, depuis la fin de la guerre froide, l'Europe particulièrement n'arrive plus à intégrer à un rythme soutenu les déracinés et toutes les populations qui migrent sur le territoire européen. Donc, cette Europe-là, elle a tout intérêt d'abord à revenir à cette politique, pouvoir accueillir, bien intégrer et pouvoir installer sur son territoire les populations qui y arrivent. Tant qu'elle continuera à externaliser le traitement de la question migratoire, cela ne s'arrêtera pas. Donc, et la deuxième piste, évidemment, nous avons parlé de la stabilité des États. La Libye, aujourd'hui, c'est un non-État. C'est pour cette raison que c'est devenu un couloir important de migration. Il faut absolument que les États africains parviennent à construire des politiques économiques, organiser socialement leurs États et politiquement viables pour que les populations n'aient pas envie de partir. Quand je dis n'aient pas envie de partir, c'est que n'aient pas envie de s'installer ailleurs. Mais le principe de la circulation, vous ne pourrez jamais l'arrêter. En revanche, le principe de l'installation sur d'autres territoires, lui-là, on peut l'arrêter. Alors, Alain-Richard Zabazi, en quelques mots. Oui, j'avoue que la problématique, elle est un peu compliquée, elle est un peu complexe. Mais comment dire, j'ai envie de dire que vous avez... Est-ce que ça ne profite pas aussi aux États de voir certains de leurs ressortissants aller à l'étranger et puis en retour renvoyer des revenus, des fonds? Est-ce que ce n'est pas aussi un peu ça pour certains États. Je ne dis pas que c'est cela, mais je pose la question. Je pose juste la question. Non, assumez, est-ce que ce n'est pas au bénéfice des États? Assumez vos positions. Non, vous êtes journaliste. Je pose juste une question. Parce que finalement, vous le soupçonnez, on a l'impression que vous avez des certains États qui encouragent ce genre de pratiques. Et puis il y a d'autres qui essaient peut-être de Docteur, en très peu de mots, ces États. En très peu de mots, est-ce que vous avez revenu dans vos recherches qu'effectivement il y a des gouvernements ou des pays qui encouragent ces déplacements en masse vers l'extérieur afin de rapatrier des fonds au pays? Non, on ne va pas dire qu'il y a une politique d'encouragement. Ce n'est pas possible de le dire. Non, en revanche, il y a des politiques de laisser-faire. OK? Il y a des politiques de laisser-faire. On voit bien les gens partir, on voit bien les gens s'organiser. Bon, on ne se bouge pas suffisamment pour empêcher que cela ne puisse se produire. Donc, l'un dans l'autre, ça revient plus ou moins à la même chose. Merci, docteur. Merci, Alain-Richard Zabazinga. Prochain thème de cette émission, le poids ou le rôle de la diaspora africaine dans le processus de développement de nos États. Ainsi se referme ce numéro d'Ici l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.